Allez, j'espère que vous allez bien, c'est Madvan d'affaires, on se retrouve sur Farming Simulator 18, c'est reparti donc pour la moisson. Donc, je vais finir ce champ et après, donc, bah, une fois que ce champ est fini, alors on s'occupera un peu de nos moutons pour qu'ils aient un petit peu... Je sais pas combien ils sont en... Ils sont qu'à 35% de laine. Hein. Bon, on verra. Le plus important, c'est de moissonner ce qu'il nous reste à moissonner. Et après, on verra. Mais pour l'instant, je peux pas trop avoir de moutons, tout simplement, parce que si j'en ai trop, après, au niveau du stock d'herbe, j'aurai pas assez d'herbe pour leur donner. J'ai qu'un champ d'herbe, donc ça me sert à rien d'avoir 36 moutons, quoi. Le mieux, c'est d'avoir entre 10 et 20, je pense. Prochain achat, ce serait peut-être d'avoir un troisième tracteur, je pense. Parce que sur l'autre partie, c'est comme ça aussi que je vois les choses. Parce qu'en fait, j'ai l'impression, par rapport aux arracheuses, en fait, quand on arrache la betterave ou la pomme de terre, il faut un tracteur pour l'arracheuse et un tracteur pour la remorque. Donc du coup, j'ai quand même envie de garder un troisième tracteur pour tout ce qui est herbe en cas où. C'est comme ça que je vois les choses sur l'autre partie, mais je pense que je vais faire la même chose ici. Sinon ça va être un peu galère. Mais... Et puis voilà, ça va être galère à gérer avec les tracteurs. Vaut mieux en avoir trois, je crois. Bon là c'est la dernière dernier passage. Après je vais aller vider ça à la remorque. Et en attendant, bah, je vais... Alors celle-ci, je la ramène à son point. Je la ramène à là où je mets tout ce qui est machine de récolte et remorque. Mais avant, je vais le nettoyer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en bas. Je vais la vider avant quand même. Hop. Allez, on va vider ça tout dedans. Voilà. Bon, celle-ci, elle passe encore entre les deux, sur la route, entre le pont, là. Donc ça va. Parce qu'après, la plus grosse des machines, elle passe pas. Après, il faut enlever la coupe et la mettre derrière. Donc là, pour l'instant, bah, je peux toujours faire de l'arrachage, mais le seul problème, c'est que avec une seule remorque, ben, avec un seul tracteur, avec deux tracteurs, je trouve ça trop juste. Donc là, le champ d'herbe, il n'est pas encore prêt. Donc ce qu'on va faire, la coupe, je vais la détacher. Elle est un peu sale quand même, la coupe à maïs. Donc ce que je vais faire, je vais la mettre derrière, je vais faire la carte et on va l'envoyer. Se faire nettoyer. Alors j'ai coupé le son, la musique parce que je me suis rattrapé un droit d'auteur. Donc après, sinon ce que je pourrais mettre à la limite, c'est mettre une troisième musique en juste en fond, à 10 ou 11. Ben, juste pour moi, pour mes oreilles. Quand je joue à Farming 18, parce qu'en fait la musique du jeu est reconnue par des droits d'auteur. Tout simplement, ben, je vais pas m'amuser à faire ça, parce qu'en fait, du coup, mes vidéos sont susceptibles d'avoir des... Comment on appelle ça? Avoir de la publicité, donc du coup, j'ai pas envie non plus de vous emmerder avec ça. Le prochain achat, ça va être un troisième tracteur qui nous permettra d'avoir moins de tracteurs quand on fera la betterave. Non, c'est pas là. C'est plutôt ici. Tac. Alors, donc là, nous, sur cette partie-là, moi, j'ai trois champs. Donc, du coup,
Direction le premier champ d'abord, donc c'est celui-là le plus loin. Alors soit je déchaume, bah, de toute manière pour l'instant je vais pouvoir déchaumer parce que le champ d'herbe n'est pas prêt, donc du coup je peux toujours faire ça en attendant. Et puis on va voir qu'est-ce qu'on a au niveau animaux, au niveau production de laine et tout ça aussi, mais je crois qu'on n'est pas loin, on est qu'à 35-36 à mon avis, on doit être là à 40. 36-37 quoi. On a 35 toujours, hein. Ça bouge pas. Là ça va pas vite parce qu'en fait on n'a pas assez de moutons pour qu'ils produisent de la laine. Mais le seul problème moi c'est que vu les stocks que j'ai en herbe, je peux pas me permettre d'avoir plus d'animaux que ça quoi. Hop. Oups. Donc déjà, on va déjà commencer par déchaumer nos champs et puis après on verra pour la semi des champs qu'est-ce qu'on met dessus. Sachant que je crois que j'ai déjà tous les cultures, non? Non, il manque le blé. Donc je vais faire du blé alors. On fera du blé. Comme ça, on aura du blé. Par contre, pour l'instant, la paille, je peux toujours l'auto-charger, mais j'y vais la vendre au BGR hein, pour que ce soit plus, que ça rapporte plus et que ça nous fasse de l'engrais, du lisier, mais bon. Après, je pourrais acheter la tonne à lisier, mais bon. Je préfère économiser pour avoir un tracteur un peu plus gros en plus. Je sais pas lequel prendre, peut-être le 939 ou alors le Massey 80, 87, je sais plus combien. Il est où celui-là? Ah, le 87-37 à 60 km/h, vitesse de pointe. Ce sera peut-être celui-ci, le prochain, je sais pas, je verrai. Le moins cher c'est le Massey, après le plus cher c'est le Fen, mais bon. On verra lequel on prendra. Allez hop! C'est parti. Donc là on a quasiment fini ce champ. Hein. Avec le déchemin qu'on a qui fait doit faire 9 mètres. C'est le plus gros qu'on puisse avoir sur console portable. Après sur mobile, non je crois pas qu'ils aient mis date sur Android. Bon en tout cas on avance. C'est déjà ça. Hop. Voilà. Hop. Allez, dernier passage et puis après, c'est bon pour ce champ. L'herbe, il est comment là? Pas prêt. Il n'est pas prêt. Hop, donc c'est quasiment terminé. C'est bon. On la mousse. Ah ben, il est quasiment prêt le champ. Là. Ouais, prochaine fois il est bon quoi. Donc la moisseuse a dû revenir, elle est là. À la limite, ce que je peux faire. C'est faire une petite marche arrière pour ranger tout ça. Hop. Et la machine vers ici. Voilà, voilà, ça c'est fait. Bon, après, on aura la plus grosse, on aura la Massey. La... C'est laquelle déjà? C'est la Delta.
La Delta 93-80. La plus grosse qu'on peut avoir, qu'on aura. Hein. Bon, je vais reprendre celui-là, moi. Et comme ça, on aura fini après. On s'aimera tout à l'heure, dans l'après-midi. Bah, pour l'épisode de cet après-midi, en fin d'épisode. Mais tant que le champ d'herbe n'est pas prêt, ça sert à rien que je pourrais pas le faucher. Donc ça sert à rien pour l'instant de m'occuper de l'herbe. On verra ça plus tard. Ben, du moins. Oh. Pas bien pris. Il est quelle heure, hein? Ok. Donc une fois que j'ai fini ces champs-là, je vais peut-être mettre à nettoyer mon déchaumeur, mais avant je le ferai amener par un ouvrier. Ça ira plus vite. Mais pour l'instant j'ai 141 000 de crédit, donc c'est bon d'argent quoi. Bon, c'est des dollars, mais bon. Il pourrait le mettre en euros quand même. Bon après ils font ce qu'ils veulent. Hein. Hop. Bon, bah ici on a quasiment terminé. Donc après on passe au troisième champ. Mais j'espère que mon herbe sera prête. Normalement, ça devrait être bon bientôt. Ou alors qu'on ait une forte demande, ça serait pas mal. Que j'aille vendre soit mon. Alors, du coup, on a du blé. Non, on a du colza, du tournesol, du maïs et de la betterave. Donc, sur ces plans-là, sur ces cultures-là, on peut se faire de l'argent. On en a en stock. Par contre, les animaux, c'est 4 500 qu'on vend les moutons pour un mouton. Mais la laine, c'est quand même, des fois, c'est 8 000. Donc après, ben, faut voir, on verra. On est ouf, c'est pas encore prêt. Je vais garder ça comme ça, on aura. L'état de la pousse de l'herbe pour savoir si on a besoin de chômer de faucher l'herbe ou pas. Si elle est prête tout simplement. Hop. Bon, heureusement que j'ai de ce déchaumeur là hein, pour aller plus vite. Il est plus grand que celui qu'on a au début. Hein. Il doit faire 3 mètres de plus, je crois. Je sais plus. Que je regarde, mais magasin, alors c'est lequel? Le déchaumeur, il nous fait alors celui-là, il fait 6 mètres et là, il fait 3 mètres, donc on a 3 mètres de plus, et c'est le plus gros. Hein. Et j'ai toujours mon petit semoir, je trouve, mais bon. Pour l'instant, j'arrive à le faire avec. Je l'ai pas changé. Non, j'ai changé le pluvé, par contre, j'ai pris le plus gros pluvé. Ouais. Toujours pas prêt. Bon, moi, on va arriver à finir ce champ. Ce que je ferai de toute manière, c'est je mettrai celui-ci à se faire nettoyer avant de semer quoi que ce soit. Bon, ça va quand même relativement vite avec un déchaumeur de 6 mètres quand même.
Donc je vais essayer d'avancer au maximum sur cette carrière. Hein. Puis dès qu'on aura tous les objectifs, moi mes objectifs ce serait d'avoir tous les champs. Et d'avoir tout le matériel dans caillette, donc matériel de semis, du matériel, tous les animaux aussi. Et puis le dernier truc ce serait d'avoir le matériel pour les ben, tous les types de matériaux de matériel qu'on peut avoir sur le jeu, donc c'est-à-dire tout ce qui est pour le bois. Ça peut être intéressant. Avoir aussi un gros camion pour vider les silos. Parce que quand on aura tous les champs, après pour vider les silos, on aura intérêt à avoir des gros camions. Je vais mettre celui-là là. Je vais faire ça et je vais l'amener se faire laver. Alors, le champ d'herbe est prêt. Hop. Ça c'est bon. Du coup, ben... Si, après il faudra que je sème, mais bon... Bon, déjà on va commencer par faucher. Là, tu l'as fini de se laver, je suppose. Hop. C'est bon. On a fait les trois quarts du jeu. Un quart plutôt. Hop. Tiens, il revient. Bon, je finis mon fauchage d'herbe et après je lance le semoir en automatique. Et puis moi je vais faner, endainer et ramasser mon herbe. Et aller l'emmener tout simplement au mouton. Hop. Bon, je vais pas la couper. Je vais continuer. Après le prochain passage, normalement c'est terminé. Le champ sera fauché entièrement. Je vais pas l'amener à nettoyer, je vois pas l'intérêt. Je peux, hein, mais bon, c'est pas trop sale encore. Ce qui salit, c'est quand on est sur les autres champs. Quand on est sur les champs d'herbe, ça salit pas du tout les véhicules. Hop, allez. Du coup, celui-ci on va le ramasser. Bah du moins le déchaumeur. Et donc on a dit, il manque du blé je crois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais semer du blé. Bah tiens, comme par hasard, c'est la première plante que je tombe dessus.
Hop. Donc lui, on va le lancer sur ce champ. Tac. Et je vais reprendre celui-ci et la faneuse. On vient de passer la faucheuse, donc c'est la faneuse. Puis on va s'occuper de ce champ. Et donc le prochain truc, le prochain achat, c'est tout simplement un autre tracteur, un troisième tracteur. Hein. Comme ça, j'en aurai trois. Un pour tout ce qui est... Celui-là restera pour l'herbe. Bon, après, plus tard, il sera changé hein, par un plus, peut-être un peu plus puissant, mais on verra. Et puis, je garderai l'autre... Les deux autres serviront pour tout ce qui est des chômages, semis, pulvérisation des champs. Mais quand on fera de la betterave, il y en aura un qui sera sur l'arracheuse et l'autre qui sera sur la remorque. Comme ça évitera, ça sera plus facile et plus rapide de ramasser les betteraves. Donc, ça veut dire que je pourrai toujours faire de l'herbe à côté, quoi. Ça sera mieux. Hop. Donc là, on va bientôt finir cet épisode là-dessus. Alors on va peut-être finir ça. Et après, par contre, cet après-midi, dans l'épisode de cet après-midi, on fera l'endainage et le ramassage de l'herbe. Comme ça, on avance tranquillement. Mais il n'y a pas besoin de s'affoler non plus. Hein. Par contre, ce que j'avais pas vu, c'est l'autre champ, il est à 93, donc ça va. Mais j'avais rempli la dernière fois après les semis, la dernière semis, je crois. En règle générale, c'est ce que je fais. Hop. Ça, c'est bon. Allez. Non, bah, il va faire nuit, tiens. Là, on va peut-être pas tarder à avoir une mission, hein. Mais maintenant, les missions de remorque, j'évite un peu, c'est un peu chiant. Mais bon. Après, ça fait toujours ça de gagner, quoi, aussi. Les missions qui payent le plus, c'est quand même les missions où on doit aller vendre notre grain au plus fort. C'est des missions, mais qui sont plutôt des fortes demandes, d'ailleurs. Bon. Celui-ci. Hop. Je mets l'endeneur. Et puis, ben, je prépare ça pour cet après-midi. Et je pense que nous, on va se retrouver cet après-midi pour, ben, du coup, le deuxième épisode, hein, tout simplement. C'est pas compliqué. Donc, il y aura l'endeinage et puis le ramassage. Donc, on se dit à tout à l'heure, en début d'après-midi. Pour le deuxième épisode sur Farming Simulator 18. Allez, à tout à l'heure. Ciao, ciao.